nous n'avons pas travaillé dans l'entreprise de papa de Kazadi. Moi, je travaille à la Jekamine et non dans l'entreprise de son père pour qu'il puisse nous maltraiter. Finalement, ton Kéti Wabi, papa. Un numéro sur lequel il faut payer. Il a payé 9 mois, fini. Maintenant, il va aller aux élections, il a besoin d'argent. Il dit non, et donnez-moi le numéro de compte de chaque agent, c'est moi-même qui vais payer. C'est plus quand. Oloba qui état de droit, le peuple d'abord. Il y a bien sûr par bazar au Bela. Bolingi va épeler bazar au Barfele. Balanarambon à Babotina Baro. Batanga à l'issue de Bazo Koufa. Alingi Nini. Bani à Babon Isaratan à Souka. Poto voté. Finalement, ton Kéti Wabi. Papa, papa, Jean, papa. Papa Tisekedi. Oloba qui le peuple d'abord. Ça est la bison au deux mois à signer qui est Vanikuna. Ceux qui ne l'ont pas comme compliqué, pourquoi signer qui est Kéi, si les zones sont compliquées? Pourquoi ça est la mauvaise élection? Après sa bison, on a bison à Kimia. Si non, tu donc on est là, maman, maman, poutre, on les caté. Ministre des Finances Kazadi. Alobaki, Olanda qui est dans le top Congo. Alobi était les 5 entreprises du portefeuille. Bazali Kofutama, je ne sais pas les gars là, c'est Malangaye. Les 5 entreprises du portefeuille, Bazali Kofutama. Mais dans une information comme quoi, Banque mondiale appelle ça Kimbongo. Et que Bafuta qui bango, toi na bango, nyonso. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de payer. Et que Nathan Bafuta qui nyonso, un gouvernement yaki, et Baxel bango, bon. Donc Nicolas Baté, Badro Obisat Zakolanda, et Dani Badro Yamagui. Alors que ce n'est pas ça le cas. Pour votre histoire, pour votre information, vous voyez bien que nous avons passé par plusieurs gouvernements. Nous avons commencé par le gouvernement Kizenga. Nous sommes passés par le gouvernement Matata. Et c'est lui qui a été vraiment au four et au moulin. Et c'est qui la ministre Ange Lukiana. Après, le ministre Bahati Lukwebo. Et à ce moment-là, on a débloqué notre situation à l'époque de 1+4. Donc, Zala qui n'a fait Zahid Ngoma, paix à son âme. Yen Moto, Mokolo, Bazaki Mbongo, la Banque mondiale. Masango va détourner Mbongo Wana. Va détourner Mbongo Wana, va foutre Bissot par forfait. Oh, Ekokisamaki, Ekokanaki, pardon. Na, ma calcul, il y a inspection du travail T. Et puis le fait d'être un homme à Bengsek Bangonios, gouverneur de la Banque centrale, ministre de la Finance à l'époque, ministre du Travail, le secrétaire exécutif à Copirep, l'ancien premier ministre Ilunga, Ilukamba. Bangonios, c'est un homme qui Kuna, et Bangona qui était un homme qui a raison. Et Baloba qui était au Banque mondiale, il faut que les gens aient un compte. Et que au Tikali, solde wana ba kufuta biso bona biso ba banque il était question ba kufuta biso na les produits ya vente et ba immeuble la biso la banque centrale a vendu nos immeubles et tant ba teki masango ali ki risusu il a détourné cet argent alors et comme sa biso lelo ye ministre ya finance kazadi aya koloba makamo wana c'est la raison pour laquelle et le koto eliawa. Ils ont dit droit légitime na biso. Donc qui kolembate, ils ont dit motoki ya biso. Yango wana naza koyeb sabino boye. Nous allons commencer notre action. Nous allons commencer notre action. Donc c'est la ministre de la Finance a signé DTO na biso. Oye za likola mese na ye. Oye za kusenga biso. Oye bino ba travailleur. Obandi ko déformer makambo. Donc en cette biso ba délégué ko li tonga ngisa bino mbongo. Surtout ba de ba ninga biso ya SPT.
Pour que vous récoltez ma signature, donc vous avez Sabino Boye. Puis le gouvernement, par le trichement, il y a ministère de la Finance, de signer qui protocole d'accord. Et le protocole d'accord, on doit signer qui fait office de la loi. Ça fait office de la loi. Et une loi ne peut pas être violée n'importe comment. Nous avons un partenaire attitré, il y a un ministre de la Finance. Donc, nous avons besoin d'être égal à égal. Bien qu'il soit ministre, mais nous sommes ses partenaires. Il y a un protocole d'accord, il est mentionné là-dedans que Mbongo va couper sa mission, va loger un compte X. Et ça, il y a un protocole d'accord. Il y a un ce qui est ministre de la Finance. À mon avis, moi, elle est là. Qu'il faut procéder dans les moussous. Ndengo Azali Kosenga. Comme quoi, tout il est coordonné. Il y a des coordonnées bancaires, il y a des agents Nyonso. Et Sengeli a comme la Bisso. Bisso, partenaire Naye. Bisso, collectif. Tant qu'il ne nous a pas écrit, dans moi, elle est là. Tire là, tout le monde. Le ministre ne nous a jamais saisi. Il ne nous a jamais écrit. To sengaye ba audience mbala na mbala alinga koyamba biso te ba avocat na biso ba senga audience alinga ka koyamba bango te alors epa wapi oye a ebisa ki makamwana to za na kati ya jungle te to za na kati ya dictature même na tanga dictature tanga Mobutu Mobutu aza kufuta batu correctement et batu bazale kovivre donc nous sommes dans un état de droit. État de droit et nikoloba nini. C'est là où on reconnaît les droits des gens. Ici, le ministre des Finances ne veut pas reconnaître nos droits. Il s'en fout des protocoles d'accord que nous avons signés. C'est la raison pour laquelle Bisso va déléguer Nabino. Nous connaissons aussi nos droits. Nous avons des droits en Ndenge et Zalaka. Nous ne pouvons pas nous laisser faire. Nous avons des droits en Ndenge et Zalaka. Nous avons des droits en d'être compris qu'on violait le protocole d'accord ou bien la loi. Oh, et puis, ce mot signa qui nous ne violerons jamais cette loi-là. Et c'est tout ça. Il y a un abino bajan. Oh, il y a un abino très facile à corrompre, très facile à manipuler. Vous allez dire que nous ne sommes pas là-bas. Le ministre Kazadi doit respecter la loi. Et il faut aller battre. Il est en train d'affamer 16 000 personnes qui sont dans la famille de Bango. Il faut évacuer ça. Ça s'appelle crime humanitaire. C'est un crime humanitaire que le ministre Kazadi est en train de faire. C'est un génocide. C'est quelqu'un qui peut être accusé et arrêté en justice. Il y a un moment où nous avons la Bino. La raison est dans notre camp et la victoire est dans notre camp. Toyokani, si quoi on a donc fait sa instruction. Donc dans les coquins, si quoi donc on quitte. Donc le bivouac, dans le toyoka mais ainsi que ma solité. Neko yo kuta na muninga na yo. Mais ainsi que ma solité. Ce que vous avez manifesté, vous avez manifesté, il faut être actif, il faut être en mouvement. Vous avez ce qui est fanfare, vous avez dit que vous avez fanfare, vous avez dit que 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 vous avez dit. Ceux qui sont malades, ils sont malades. Ils sont malades. Ils sont malades. Ils sont malades. Mais tant que vous avez manifesté, vous avez dit que c'est un bino. En principe, il était prévu que les autres qui ne la simakuna. Kuna la simakuna. Alors, dans un premier temps, nous avons deux pancartes là-bas. Autre que c'est un bateau miné, dont deux personnes bako simba. Nous allons prendre la banderole la biso. Et j'espère que nous avons apporté des sifflets. Yangona,
Nous devons être comme un seul homme. Dans le Ghana. En tout cas, je vous remercie merci la bonne attention que vous accordez la biso. Nous avons dit que 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 partenaires à titre entier, en part entier. Donc nous et le ministre, nous sommes des partenaires. Il n'y a pas celui qui est au-dessus de l'autre. Nous reconnaissons son
pouvoir, son autorité, il est ministre, d'accord. Mais présentement là, nous venons de totaliser 39 mois d'impayés, dont 17 mois qui sont à l'actif de lui seul, l'excellence Nicolas Cazette. C'est-à-dire, du mois de mai 2022 jusqu'à aujourd'hui, le ministre Cazette n'a plus payé nos droits. C'est ce que nous venons réclamer. Il dit que nous avions été payés pour solde de tout compte. Et il dit, on l'a, c'est qui? C'est une autorité. Une autorité, c'est un chef au milieu du village. Il y a nos détracteurs qui viennent l'informer n'importe quoi. Pourquoi lui ne peut pas nous convoquer pour aussi entendre notre son des cloches? Nous avons introduit plusieurs audiences, il ne nous reçoit pas. Nos avocats ont introduit aussi des demandes d'audience, il n'a pas reçu. Et nous l'avons suivi sur les voies des ondes, sur la radio Top Congo, où il dit ce que je suis en train de vous dire, qu'il nous a demandé qu'on lui amène les coordonnées bancaires et tous les agents. Est-ce que le ministère des Finances ou bien le gouvernement a signé des protocoles d'accord avec les agents? Je ne pense pas. Alors nous ne devons pas violer la loi comme nous le voulons. Ce n'est pas ça. Nous nous disons être dans un état de droit. Un état de droit, ça signifie qu'on doit reconnaître les droits des gens. Alors, le ministre Cazette, il est notre partenaire. S'il a trouvé qu'il a une autre formule pour nous payer, il n'a qu'à nous écrire. Il ne nous a pas écrit. Jusqu'aujourd'hui où nous parlons, nous n'avons reçu aucune lettre de M. Nicolas Cazette en tant que ses partenaires. Aucune lettre. Alors finalement, nous sommes où? C'est la raison pour laquelle nous venons pour que le ministre Cazette signe notre DTO qui est sur sa table, qu'il le signe et qu'il envoie ça à la Banque centrale. C'est tout ce que nous voulons. Si tu veux venir, il a payé à partir du mois de juillet 2021 jusqu'au mois d'avril 2022. Il nous a payé, ça fait 9 mois. Il a payé dans quel numéro de compte? Sur quel numéro de compte? C'est parce qu'il a trouvé dans le protocole qu'il y a un numéro sur lequel il faut payer. Il a payé 9 mois. Fini. Maintenant, il va aller aux élections, il a besoin d'argent. Il dit non. Et donnez-moi le numéro de compte de chaque agent, c'est moi-même qui vais payer. Depuis quand? Nous ne sommes pas des fonctionnaires. Vraiment. Nous ne sommes non plus. Moi, j'étais à la Gécamine, je ne suis plus agent Gécamine. Ce qui nous paye, c'est une dette, c'est une créance. Mais il a des juristes. Avant de modifier le protocole d'accord, nous devons nous mettre d'accord sur une table, on produit un avenant. Mais pourquoi brusquement comme ça, à quelques mois des élections, ah, donnez-moi les numéros de compte et pour que je vire. Il va virer comment? Nous n'avons pas travaillé dans l'entreprise de papa de Cazette. Moi, je travaille à Gécamine et non dans l'entreprise de son père pour qu'il puisse nous maltraiter. À la Gécamine où j'ai travaillé, il y a des gens qui sont morts dans les entrailles de la terre pour sauver notre pays. À ce moment-là, je ne sais pas où est-ce qu'il était, mais il ne doit pas s'amuser avec les gens qui ont rendu de bons services dans ce pays. Effectivement, au chef de l'État, nous disons, Cazette est en train de faire une mauvaise campagne. Je ne sais pas si à l'UDPS, il y a des gens qui nous regardent. Tout ce qu'il fait, c'est contre la campagne du président de la République. Imaginez, nous sommes 16 000 travailleurs, 16 000. Avec nos femmes, ça fait combien? Ajoutez plus ou moins 5 ou 7 enfants, ça fera combien? Et les dépendants neveux qui vivent grâce à moi. Mais c'est un électorat possible, important. Et ce qu'il fait, c'est justement, comment moi je peux voter un type qui me le fait comme ça? C'est la mauvaise campagne qu'il fait.
nous demandons au président de la République, à 2 mois des élections, le moment est venu pour qu'il puisse se rattraper. Le président génocidaire. Kaza ne l'aide pas. Qui nous paye notre argent? Un point, un trait. Merci. Depuis 2021, depuis 2018, tant qu'on a coupé en haut, il a eu le foot à moi. A foutu maintenant en dernière minute. Hier, Mogo a engagé 2 mois de paiement à Tignan ou Nabidje. Et que qu'on a été moulé, il a dit pas procédé, il n'y a pas de DTO. Si qu'on a DTO et Yahwa. Pour ça, au pays, et que les banques s'adressent, non, à bloquer. Ma gamme, on a réussi, on doit vous dire le bayango. Mais ils sont au protocole d'accord, dans l'État. Le protocole est lobby, bon, oyo, toyokan, na bango, la recote en compte, moko, sangolo, autre indiqué dans ce protocole des aléas. Bataille de mieux de compte, chaque collectif, chaque entreprise dans le mieux de compte. Si un bon recote, bataille de compte, bataille de compte, et que la banque va qualité va travailler. Et la fonction publique fait la même chose comme nous. Bango va s'agir, va commencer à faire listing, bataille de banque. Banque accréditée. C'est ça la bancarisation, non? Et puis, si tu as la bancarisation, avant que tu aies comme ministre, tu as la bina, moi, ma casse, parce que tu as 3e âge. C'est tous les jours que nous venons ici. Mais c'est quand tu as la couvert dans la bionaye, climatisé, avant que c'est Gabisso, tu vas assister ici, à Biminaye, puis accueillir à l'objet de l'autre côté. Dernièrement, tu vois, on a eu jusqu'à 21h. À Biminaye, accueillir, on a eu un peu de là. Donc ça ne nous disait absolument rien. Alors, à éviter que nous avons un mandat. Nous avons un mandat. Le mandat est ici. Nous avons un mandat pour nous montrer à qui nous avons des droits. Mais quand ça nous a détruit, c'est fini. Oh, bisoto syndicat de l'Okomoko. On a dit état de droit. Le peuple d'abord. Il y a biso et parabaza rebelle. Bolingi ba ebele baza ba refele. Bala na rambonga ba boti na bango. Ba tanga ali susute. Ba jamba bazo kufa. Alingi nini? Bani ora bongisa kata na suka. Poto boteyo. Ils sont fous. Finalement toketi wapi? Papa papa jo papa. Papa ti sekedi. On va qui le peuple d'abord. Novembre yo. Ça est la biso ngolu. 2 mois à signer qui est Fanny Kuna. Ceux qui ne l'ont pas compliqué, pourquoi signer qui est Kéi, si les gens sont compliqués? Pourquoi ça, il y a une élection? Après, ça a mis son mort, on a mis son Akimia. Si on est, donc on est là, on est là, on est là, on est là, on est là.